trouve sur la côte de Brampton, c'est-à-dire le Mont-Royal de Brampton, pour faire un peu d'humour. Hein? Connaissez-vous ce bâtiment? Alors, c'est la Villa des Hirondelles qui était auparavant le magasin de la compagnie Clark, qui fut à l'origine des grands développements en Estrie et même ailleurs. Il était transformé en résidence en 1900. Et mon père me disait qu'il montait à côte avec ses frères et sœurs pour venir jouer dans le bois. C'est... Ouais. Ensuite de ça, il y a eu le fameux Château Tobin, une des plus belles résidences en Estrie. Et même dans le bas du fleuve, elle aussi avait un cachet unique, particulier. Architecture super. Construit en 1907 et incendié en 1932. Ça, à l'origine, là, c'était une érablière que mon arrière-grand-père avait jusqu'à les années 30. Et puis, ça, c'est la maison modèle de la Brampton Number. Hein, elle aussi, elle a un cachet unique. Ça, ça fait le tour, ça s'en va. Ça a toujours, il y a toujours une trail ici. Les oiseaux commencent à chanter, le printemps s'en vient. Drette là, en 2006, l'éclair a frappé cet arbre. Et puis, je me souviens, quel temps passe vite. Je peux remarquer à trail là, directement. Parce que mon père passait. C'est vraiment Brampton, chez nous. Merci. Vive notre histoire.